On note aussi cette rencontre du chef de l'État, Brice Clotaire, au Ligui Nguema, avec Paulin Claude Dano, le vice-président cité et gouvernement locaux, Unis Afrique, ancien ministre ivoirien des Sports. Les deux personnalités ont évoqué les questions relatives au processus de décentralisation au Gabon et de restauration des infrastructures sportives. Je propose de l'écouter au sortir de l'audience. Nous sortons d'une audience avec le président de la République gabonaise, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir en ce jour pour nous partager sa vision, d'une part sur la décentralisation et sur la restauration des infrastructures sportives du Gabon. Nous avons saisi cette heureuse opportunité pour prendre ses instructions sur la vision d'une décentralisation effective, source de brassage entre les peuples, et il a mis en lumière la nécessité d'une diplomatie des villes qui permettrait donc à l'Afrique de se construire à travers la participation citoyenne. Il nous a aussi donné sa claire vision de la restauration des institutions de la République gabonaise par l'émergence d'une nouvelle Afrique où les Africains se parlent, échangent leur expérience en matière de gouvernance locale, et surtout, il a souhaité que nous puissions partager notre expérience de la construction des infrastructures aujourd'hui que nous voyons à travers la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, pour que cela puisse servir aussi pour la restauration et pour la restauration de la force du Gabon qui a toujours été une puissance sportive.